Je sais pas si vous avez vu, changement de sujet, que y a, comment il s'appelle? Il y a Blueface, il s'embrouille avec Lil Baby pour sa meuf. Moi, je trouve que Blueface, il part en couille, là. Il s'embrouille avec Lil Baby pour sa meuf. Pour Christian. Je trouve qu'il part en couille. Je trouve qu'il part en couille parce qu'en fait, Lil Baby, il aurait envoyé un message à Christian. Moi, déjà, la première question, c'est Lil Baby, toutes les meufs que tu peux avoir, pourquoi tu envoies un message à Christian? Et il lui manque une dent, elle est mignonne et tout, mais il lui manque une dent, frérot! Et elle est déjà avec Blueface, il lui manque une dent, laisse la meuf dans ses problèmes, pourquoi tu lui envoies un message? Après, bon, lui, il a dit qu'il était en mode Big Bro, on connaît les histoires de grands frères, on connaît les grands frères, ouais, t'inquiète, je suis ton grand reuf et tout. On connaît les grands frères, on connaît, tu vois, le grand frère qui se transforme en meilleur ami, qui se transforme en oh, mais ton mec, c'est un bâtard, qui se transforme en tu peux venir chez moi, qui se transforme en. Oh t'inquiète, allonge-toi près de moi, qui se transforme en oh, telle capote, on connaît. On connaît. Mais je trouve que la réaction de Blueface aussi, elle était tuba. Je trouve que Blueface, il avait un vrai truc, il a une vraie personnalité, il comprend les réseaux, puisqu'il arrive toujours à faire parler de lui, il n'y a rien à dire. Mais je trouve qu'il tue un peu sa carrière avec. Même si sa carrière n'était pas à son maximum, il tue un peu sa carrière avec ses histoires avec sa co, tout le temps les embrouilles. La télé-réalité, c'est smart parce qu'il fait un max d'argent dessus. Mais je trouve que les embrouilles et tout, ils tuent un peu son image, sa carrière avec sa go, c'est dommage. Il devrait sortir de ça, arrêter les embrouilles, tout ça. Bon, en tout cas, l'équipe, c'était mon petit live, hein. C'était mon petit live, je pense que là, j'ai fait assez longtemps. je m'attendais pas à faire un live, c'était un live surprise. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez validé. On est ensemble, envoyez-moi un message en DM si vous avez validé le live, si vous avez participé au live, vous avez validé, envoyez-moi un message. On est ensemble, c'était Balou, force à vous tous, je vous aime. Peace! C'est comment les pleuguitos, vous le savez, Balou fait des lives tous les mercredis à 19h sur sa deuxième chaîne, Balou Experience Live. Donc abonnez-vous à la chaîne là-bas. Peace!